Hey, what's up, yo, c'est Prince, the realest one, damn, look at this, c'est Prince, the realest one, ouais, je me sens en mode, j'ai chaud. So, today on va réagir à Alpha One, featuring Freeze Corleone, New York à fond. C'est un abonné qui m'a dit de réagir à cela, je vais mettre ton prénom là, comme d'hab, you know. So, la raison pourquoi je réagis à cela tout de suite là, en fait, c'est que j'ai vu plein de gens sur Insta, dans mon Insta, mettre... Ouais, vous voyez les petites musiques là de 15 secondes, ils le mettent Alpha One featuring Freeze Corleone, Alpha One featuring Kalash Criminal, featuring Nekfeu. Je me suis dit, damn, c'est quoi tout ça là? Et après, on m'a fait comprendre qu'il a sorti un nouvel album ou EP, je sais pas, mixtape. Et je me suis dit, damn, faut que je check ça alors. Et j'ai vu qu'il y avait Freeze Corleone et c'est ce que l'abonné m'avait dit de réagir. So, on va réagir à cela. New York à fond, couplet, refrain. Je sais que le refrain il commence à. Je suis dans la zone avec Fall. Et on va faire cela, man. On va faire cela. So, pas plus de blabla. And let's go. Ouais, la dernière fois qu'ils ont chanté ensemble, c'était à Rap Catéchisme. J'espère que ça va être du niveau, man. Rap Catéchisme, j'adore. Il boit du sang comme Hillary Clinton et Michelle Obama. Damn, fait chaud, bro. On regarde les paroles après. Les gens vont dire, pourquoi tu enlèves pas le t-shirt? Damn. YouTube restriction, vous savez? Le cours de karaté c'est cher. Emprunter un gun ça coûte rien. Je viens pour escalader l'échelle. Me mettre au niveau des souverains. Amener mon trône, je m'installe. J'essaierai trop de main sale. Me mélanger comment ça. Je suis fermé comme un sas. Shenzhen Galsen comme un sale. L'esprit des japonais comme un sale. Lunettes quartier cher comme un sac. Fuck des mètres, fuck des bars. On veut les pas c'est cher comme un sac. Si ça brodé sur les tapisseries. Le croisé est nice, le vert est clean. Mirage découpe depuis le dernier clip. Je vois la vie en rouge comme le dernier creep. Des voyants pas brillants, bel avec les clips. Je suis là pour manger, pas pour boire. Je te laisse les tips. Je suis dans la zone avec le fal. C'est déjà le refrain là. Je suis dans la zone avec le fal. Le cours de karaté c'est cher. Emprunter un gun ça coûte rien. Vous voyez, qu'est-ce que je comprends avec cela, c'est que... Regardez ma réaction en Quando Rondo, end of days, end of stories. J'explique la situation de Quando Rondo avec King Von. Je me mets sur un point de vue, pas fan parce que je suis fan de Quando Rondo, je me mets sur un point de vue à leur place. Ces mecs dans le quartier, je répète, je ne veux pas dire qu'il a bien fait, mais avec une mentalité de quartier en fait... Son pote, il a bien fait de protéger Quando Rondo. Allez voir ma réaction sur Quando Rondo, vous allez voir ce que je dis. So... Et ouais, c'est ça. Les gens ne cherchent plus à se battre de nos jours. C'est direct arm, gun, bam, fini. Fini. Régler les problèmes plus vite. Le plus vite. Après, il dit, je viens pour escalader l'échelle, me mettre au niveau des souverains. En gros, il veut monter d'échelon, quoi. Pas d'échelon bourse, pas le crous. Il veut monter d'échelon. Il veut être en haut de la pyramide maintenant. Lui au contrôle. Amener mon trône, je m'installe. J'essaierai trop de main sale. Oh, oh. En vrai, nous tous, hein. On a eu des amis qui nous ont trahis, on a eu des bitches qui nous ont set up, qui nous ont trahis et tout. Freeze, Shenzhen, Galzen comme un sale, yeux bridés japonais comme un san. C'est qui san? Non, comme un san. Un pétasse. Lunettes casse. Oh! Comme un. Yeux bridés japonais comme un san. Orochimaru-san. Ok, parce que c'est comme Okage-sama. Naruto-kun! Et Orochimaru-san. San, c'est... Comment dire ça? C'est pas un grade, mais c'est un genre... maître, sensei, monsieur, des trucs comme ça. Galzen comme un sale, c'est quoi ça? Je sais pas, expliquez-moi. Lunettes quartier cher comme un sac. Genre, ces lunettes, ça coûte aussi cher qu'un sac. Vous avez les sacs de meufs là, super cher. So, 667, Don Dada. Un jour, je dis 667, Don Dada dans ma réaction... Une réaction après Rap Catéchisme. Il y a un abonné qui m'a dit... Ouais, le gars, il dit 667, Don Dada, ça veut rien dire. Il n'y a rien à voir. Si, bro, il y a à voir. Ils ont chanté ensemble. Ils ont chanté ensemble. Et ils l'ont dit. 667, Don Dada, j'arrive raciste comme Prada. Vous voyez? Je vois la vie en rouge comme le dernier Crips. Je comprends pas. Les Crips, c'est blue, you know? Les Crips, c'est blue. What you mean, cuz? So, le refrain, on va écouter. Après, jusqu'à la fin. So, let's go, man. Filiflingo avec le chien. Filiflingo. Lunettes ouais, quartier avec le chien. J'suis dans la zone avec le fal. On dit que la chanson va monter de niveau là. L'instru devient. Filiflingo avec le chien. Hey. Lunettes quartier avec le chien.
Alpha One, Corleone, rap ecclésiastique sur les prods comme si on était ASCII, grosse liasse avec des élastiques. Shenzhen, Flingo, on te donne le brevet d'études. Box les instrus comme si elle nous devait des thunes. Rap, catéchisme, bienvenue dans l'église. Beaucoup de pédophilie dans le gouvernement et dans l'église. Oh, là ça commence ça. Frissonnaire, avec frissonné, visionnaire, binocular, visionnette. Net. On mic comme les Brown James et D-Wade. Ils font la mal à mais ils se font violer comme Tiger et Lil Wayne. Shit. On fait déjà des pirouettes. On arrive New York à fond, les gros poils. Oh shit. J'suis dans la zone avec le Fal. J'suis dans Warzone avec le Fal. Fil Flingo avec le chien. Ok. Lunettes quartier avec le chien. J'suis dans la zone avec le Fal. Ils se font violer comme Lil Wayne et Tyga. Comme Tyga et Lil Wayne. Damn, je m'en fous. Flingo avec le chien. Chien. Lunettes quartier avec le chien. Ok, damn, what? On va analyser ça. Oh shit. Refrain. Oh shit, bro. On va mettre le micro là. Là, c'est mieux. Je suis dans la zone avec le Fal. Fal, c'est quoi Fal? Ah, Fal, c'est Alpha. Alpha, me voyez, en verlan. Damn. What? Attends. Je suis dans le Warzone avec le Fal. Fal, c'est un gun. Ah, c'est pas un gun, c'est une catégorie de gun. Fusil, fusil à... Ah. En fait, en anglais, c'est assault rifle. Assault rifle, les AK-47. Mais en français, j'arrive pas à trouver. J'arrive plus à trouver c'est quoi. Fusée, assaut, je sais plus. Mais vous allez me dire, je sais. En fait, je pense encore à la phrase d'après. Philip Flingo avec le chêne. Lunettes quartier avec le chêne. Oh, c'est quoi le chêne? Ça, je sais pas. J'avais compris avec les chaînes, vous voyez, les chaînes. Lunettes quartier avec les chaînes, mais là, c'est le chaîne. Je sais pas c'est quoi. So, couplet numéro 4. Alpha One, Corleone, rap éclat, ecclésiastique. C'est quoi ça encore? Wow. Ok, j'apprends. Sur la prod, comme si on était à ski. Grosse liasse avec des élastiques. Oh, ok, ça, je vois l'image. Les grosses liasses, vous mettez l'élastique et les gens, ils flexent comme ça. Mais ce qu'il y a avant, je sais pas c'est quoi. Expliquez-moi. Shenzhen, Flingo, on te donne le brevet d'études. Box les instrus comme si elle nous devait des thunes. Ils tuent l'instru parce qu'ils sont à fond comme s'ils nous devaient des thunes. Vous savez que les gens qui vous doivent des thunes. Et ça se dit, ils doivent. Je sais pas. Mais les gens qui vous doivent la thune, vous voyez. C'est pas qu'il faut les tuer, mais il faut les presser, va. Pressed them. Après. Là, ça rentre dans le lourd, là. Rap catéchisme. Bienvenue dans l'église. Ouais, parce qu'ils prennent leur groupe 667. Le groupe de Alpha One, c'est quoi? Don Dada, je sais pas. Comme une église. Beaucoup de pédophilie dans le gouvernement et dans l'église. Damn. Sujet encore... C'est un sujet qu'on répète souvent quand je fais des réactions Freeze Corleone, mais... La pédophilie existe... Les gens, comment dire ça, les gens ne prennent pas au sérieux cette théorie du complot, même si c'est plus un complot, les gens se font arrêter. Vous avez vu Jean-Luc Brunel s'est fait arrêter pour le réseau de Einstein et aller dire encore que tout ça c'est des complots, tout ça c'est des théories. Jean-Luc Brunel s'est fait arrêter. Jean-Luc Brunel, c'est le mec qui donne des enfants français, européens à Einstein pour qu'il fasse des massages, des trucs, des enfants. Un enfant qui fait un massage à un vieux homme de... Et encore, je dis Einstein, mais ses clients sont des Gates, des Clinton et tout. Sans vraiment sortir des noms, allez chercher le réseau de Einstein. Il y a un abonné qui m'a parlé du réseau Zanvor. Dans une chanson précédente, ils ont parlé de ça. Merci, man. Merci, j'ai vu, c'est quoi? Damn, bro. Le mal sur terre, les politiques mal sont des tip fil. Et dans l'église, oui, effectivement. Pas que dans le gouvernement, mais dans l'église. On sait tous la réputation du Vatican. Je suis chrétien. Mais ma relation avec Dieu n'a rien à voir avec le Vatican. Ma relation, le Vatican, ne pas confondre Vatican et la Bible. Ne pas confondre
religion et ma relation avec Dieu. Je m'en tiens, je suis chrétien. J'accepte pas tout ce que le Vatican ils le font. Tous les chrétiens doivent savoir que ce qu'ils font ne sont pas 100% justes. Lisez la Bible et vous allez voir. So, oui. Et en plus, dernièrement, il y a un évêque, un prêtre, je sais pas quoi. Il s'est fait arrêter pour philie. Pédophilie. Je mettrai l'image là de l'article. Même pas un article, mais plusieurs articles de grandes télés qui disent ancien évêque ou ancien prêtre français en plus arrêté ou accusé de... Je mettrai tout ça là. Damn bro, what the fuck? Jésus, il a dit suivez-moi. Il a jamais dit suivez les chrétiens. C'est Jésus la route. C'est Jésus notre sauveur. C'est Jésus qui va nous sauver. C'est lui qui s'est sacrifié pour nous. Même si c'est ressuscité après. Damn bro, come on. Come on les gens catholiques, come on. Après il dit au Mike comme LeBron James et D-Wade. C'est vrai. Alpha One et Chris Corleone, c'est vraiment Dr. Dre, Snoop Dogg. C'est vraiment LeBron James et D-Wade. Vous voyez, un duo fort quoi, Naruto Sasuke. C'est mon préféré featuring de Chris Corleone en fait. Les deux quand ils sont ensemble, c'est des bêtes quoi. Ils se font mala, ils font la mala, mais ils se font violer comme Tyga et Lil Wayne. Damn. J'ai deux choses à dire à propos de ça. Il y a deux versions en fait, deux points de vue. Donc ça veut dire quoi? Ils font la mala. C'est quoi mala? Ils font les malins. Bah, je vous dis, je suis pas de la France. Je connais pas tous les proverbes, toutes les citations français. Je suis de la Réunion 974 gang, you know. So, aidez-moi, j'apprends tous les jours. Mais ce que j'entends donc, ils se font violer comme Lil Tyga et Lil Wayne. Il y a la théorie du, ils se font violer parce que ce ne sont pas des labels indépendants. C'est-à-dire qu'ils font de la musique, mais ils ont que 6-15%, whatever. Ils n'ont pas 100% de leur musique, quoi. Ils se font violer par les grandes industries. Logique. Ça, tout le monde connaît. Contrat 360, tu sors une musique, mais genre, tu as 1000 euros. 1000 euros, c'est pas assez, mais exemple. Tu as 1000 euros. 1000 euros, tu dois le partager à ton label manager. Le label où le label est signé. En fait, ton label, l'artiste. Ton argent, tu dois le partager à ton label. Ton manager. Mais ton label, il est signé à un autre grand label qui font des distributions par un autre grand label qui le fait partager à plusieurs autres personnes. So, à la fin, c'est toi qui as la plus petite part. C'est ça les labels où tu es signé sur un grand contrat. Ceux qui ne sont pas indépendants. Et en plus, dernièrement, Lil Wayne, il a vendu tous ses droits à lui et Nicki Minaj et Drake parce qu'il est en prison, je sais pas, il doit des trucs. Je m'en fiche de Lil Wayne en fait, j'ai rien à foutre de ce gars-là. Et Tyga aussi. Hein. Et la deuxième version, c'est complot encore une fois. Pour réussir, en fait, il y a dans le hip-hop, même si j'adore le hip-hop, mais vous savez, tout ce qu'il y a de bien sur Terre, le mal le rend mauvais. L'hédophilie, le gayisme, ça se dit gayisme, je sais pas. Mais en gros, ces artistes, ils sont obligés de subir, je dis pas qu'ils sont gays, hein, mais ils sont obligés de subir des trucs comme ça, genre sucer une bite, même si t'es un mec, se faire violer, pour réussir. Je sais pas pourquoi la musique s'est arrêtée. Pour réussir. C'est moi qui mets la musique en fait. Et il y a plein d'interviews qui disent ça à Tupac. Il avait dit Quincy Jones. Oui, Quincy Jones, il m'a dit ouais, viens sucer ma bite. What the fuck, bro? What the fuck? C'est un genre de rituel en fait pour les rappeurs hip-hop de réussir. Tout le monde connaît ça. La vidéo où Birdman embrasse Lil Wayne sur la bouche. Pas une seule fois, mais deux fois. Vu comment les choses se déroulent en 2020, on se dit que tout ce qui est complot et tout, c'est plus des théories, man. Comme je dis dans ma chanson, allez go check en description. Et tu verras que tout ce qu'on dit sur le nouvel ordre mondial sont pas des théories, mais bien un programme. Sors de la matrice frère, arrête les blabla. C'est la guerre, le bien contre le mal. Je dis ça dans ma chanson Nouvel Ordre Mondial. So, vous idolâtrez tous ces artistes, mais ce sont que des victimes, ce sont que des esclaves en fait. Mais le prix à payer pour être star, le prix à payer pour avoir ces soi-disant voitures et tout. So, man. Après, il dit, on avance un contrat. Pff, ils font déjà les pirouettes. C'est ça, je viens de dire, c'est ça en fait. On leur donne un contrat et ils sont obligés de faire des trucs pas sains. Pas bon pour leur corps, pas catholique quoi. Pas catholique, mais pas catholique vrai.
En fait, ce qui sauve cette chanson, c'est leurs paroles, encore une fois. Les paroles, c'est très important dans la musique. Je dirais tout le temps, l'instru, c'est pas grave. En vrai, c'est grave. C'est pas que c'est pas grave, mais c'est important. Mais les paroles, les gens vont se souvenir de toi par les paroles. Regardez Nipsey Hussle, il est mort. On se souvient de lui par les paroles, par ses actes. On va jamais se souvenir de toi par tes buzz, tes instru, quoi. À part si t'es producteur, of course. Mais pour un artiste, les paroles impactent plus que l'instru, en fait. So, rappelez-vous de cela, tous les gens qui veulent être rappeurs. So, go liker ma chanson, sorti une nouvelle chanson en description. Nouvel ordre mondial. J'ai sorti une chanson en anglais, vous savez. J'essaye de toucher un peu tout, quoi. Et liker, partager. C'est pas le premier de cette mixtape. Ah, voilà, c'est pas le premier de cette mixtape que je veux réagir. Je sais que je vais réagir à d'autres. So, dites-le-moi, laquelle vous préférez que je réagisse dans cette mixtape. Et j'oublie pas, damn, PNL ça arrive, Osiris Jack ça arrive, Freeze Corleone ça arrive, tout ça. J'essaye juste de prendre mon temps, j'essaye d'avoir du temps pour moi en fait. So, c'était Prince de Real Ass One. Allez, ciao, bye.